La synthèse de l'actualité, c'est tout de suite après le jingle dans votre revue de presse sur M241. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien national, l'Union titre à sa une. Prête à rebondir. Oubliez les rivalités présumées et les problèmes d'indiscipline ou d'intendance. Ce sont des Panthères du Gabon soudés et tendus vers un même objectif qui entame ce jeudi 20h à Kinshasa face aux Léopards de RDC. Leur campagne de qualification pour la CAN 2021 au Cameroun voisin. Toujours dans l'Union, parlons cette fois de consommation en page 6 avec pour titre Libreville, des produits avariés saisis par l'hôtel de ville. La mairie de Libreville a procédé en début de semaine à la saisie dans différents commerces de nombreux produits au-delà de leur date de péremption, allant des denrées alimentaires aux produits ménagers ou de beauté. Parlons à présent de politique avec nos confrères de à Libreville qui titrent ce matin Coopération Gabon-France. Signature d'un mémorandum pour le renforcement des relations parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, et son homologue français, Richard Ferrand, ont procédé mercredi 13 novembre à Paris à la signature d'un mémorandum. Refermons cette revue de presse avec votre média M241 qui titre « Le contrat d'apprentissage jeunesse intégré dans le Code du travail ». Hans Landry Ivala, directeur général de l'ONE, a fait cette révélation au cours d'une rencontre tenue le 12 novembre 2019 entre le ministre de la Formation professionnelle, Madeleine Baer, et les experts de la Banque africaine de développement. Nous voilà au terme de cette revue de presse. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.